vacances. Que je vais faire seul. En premier lieu, je vais faire. Je vais la faire seule en premier lieu. Ensuite, je vais sûrement faire du V2, du 3v3, ou peut-être même du 4v4, qui sait. Mais je vais commencer par un rush seul. Donc j'imagine que vous savez ce que c'est un rush. Donc, pour ceux qui ne savent pas, bah, je vais l'expliquer en jeu. Donc, j'ai trouvé une partie ici. Donc, en gros, il y a deux plateformes d'obsidienne avec avec un lit. Donc deux plateformes d'obsidienne ici et là-bas, des lits là-bas. Et on va devoir se rejoindre, casser le lit de l'autre et le tuer pour le faire disparaître. Enfin, pour en gros gagner, il faut casser leur lit. Donc voilà, c'est pas très très difficile, c'est simple même. J'en ai déjà fait quelques heures, pas en solo mais avec des autres gens. Donc tac. Merde. Oh putain, c'est là. Voilà, je vais acheter une cache. Et la ressource arrive par le petit truc là. Et on achète chez les PNJ ce qu'il nous faut pour. Pas pour gagner la partie quoi. Donc il y a de la TNT, tous les trucs comme ça. Donc voilà. Je crois que c'est comme ça. J'ai beaucoup de mal à faire cette technique. Enfin, je la fais souvent, mais à chaque fois, je réfléchis pour voir si je suis pas trompée. Et je crois que c'est. Ouais. Ok, très bien. Nickel. Il commence déjà à faire ses défenses. Moi, je suis un peu plus au calme. Ah là là. Donc j'ai pas grand chose à dire, juste que Achilles a fait beaucoup plus de vidéos car il était juste en vacances quand il a commencé à faire. Enfin, quand on a commencé la chaîne, c'est juste avant que je parte en vacances et il a commencé par une vidéo seul. Donc voilà. Je vais sûrement l'inviter pour les prochaines séries. Enfin pour la série ici, je vais sûrement l'inviter plusieurs fois. On passe du rush à deux. Donc ici je défends aussi ma base pour faire son pour pas perdre quoi. Je sais pas comment dire. Voilà. Donc on peut acheter des arcs ici avec de l'or, mais ça coûte très très cher, donc on peut acheter l'arc niveau 1 quoi. Mais je sais pas chaque fois. L'épée niveau 3 c'est la même que l'épée niveau 2 sauf qu'elle qu'elle a du knockback, du playback. Donc je passe au niveau 3, je peux prendre. Ah, je vais le détruire. J'aurais dû mettre en face pour ne pas déranger. Je vais faire ça tout de suite d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire à part je suis pas le meilleur conseur de jeu. Je fais plus ça pour le fun que pour autre chose. Parce que. Non. Oh putain, je suis plus la merde. Ah là là. J'arrive pas à mettre le bloc. Donc là, il y a pas beaucoup de, on va dire, de commentaires. Parce que. Enfin, je suis pas un mec qui suis très très. Très très qui parle beaucoup quoi. Enfin en vrai si, mais voilà, je me comprends. Voilà. Punaise, merde,
Le chat vient de faire tomber le poster. Attends, je l'ouvre, le chat, j'arrive. C'est bon, je suis de retour. Je vais regarder s'il ne bouge pas. Non, il est en train de passer le fond. A mon avis, je crois qu'il va la jouer plus défensif qu'autre chose. C'est pas plus mal. Sauf s'il fait une défense du corps. Et je trouve que c'est vraiment... Enfin, là, c'est un peu chiant que je pose des blocs, que je parle de tout et de rien. Et sinon, à la fin, c'est quand même prenant qu'il y a des attaques. C'est assez stressant. Enfin, pas stressant. Moi aussi, ouais, stressant. Donc pour mon pack des textures, pour ceux qui veulent savoir, c'est pas super important, j'ai le Matox PVP pack 1. Je vais montrer ce pack ici. C'est un pack pour le PVP. En fait, c'est le Face Rule, juste un peu amélioré pour le PVP. Donc voilà, c'est pas un super pack. En fait, je voulais un pack qui change, mais pas trop le jeu, parce que sinon c'est, enfin, je trouve que c'est plus dur à jouer quand c'est fort, quand ça change plus fort. Que ça, je peux mettre là-dedans. Je vais me racheter des blocs. Peut-être après acheter des blocs d'Ender pour que ça soit plus, pour que ça soit plus résistant. Ah, je crois qu'il commence à rush. Ouais, il commence à rush. Je vais attendre avant de tirer dessus. Je préfère que ça soit plus. Que je sois plus. Qu'il soit plus près parce que de loin on ne voit pas. Là. Ah, il monte beaucoup. À mon avis, par l'arrivage de Tente. Bien comme ça, je vais récupérer ça. Je vais acheter des pommes d'or, de la TNT et un briquet. Et de la bouffe aussi. Donc c'est ici. La bouffe, c'est là. Un cuistex, c'est bien assez. Pommes d'or, 35. De toute façon, c'est pas cher. Pour en prendre plus, mais je vais aussi prendre la TNT. Je regarde pas trop s'il, enfin, s'il arrive, mais à mon avis, il est quand même. J'ai touché à l'arc. Ok, je l'ai touché. Je sais pas si on va tenter le sang du jeu. Parce que j'ai un casque. Donc. Ok, il reste. Ok, je l'ai tué. Je sais pas s'il continue là. Je vais faire qu'il y a plusieurs couches de toit pour avoir voilà, ça me semble pas mal comme ça. Oh, je vais terminer mes blocs, puis je vais aller l'attaquer. Ça faisait longtemps que j'ai fait un rush, donc c'est assez... Enfin, avant j'avais une technique, je faisais un énorme bunker en dessous. Mais bon, je sais plus trop comment faire, donc je préfère faire une défense plus classique. Plus posé à faire.
Oh, ok, c'est pas grave, c'est Blue Sky. Ah, j'avais tout. Tiens, chier. J'avais tout. Sky de merde. Je vais racheter. Mais. Même chose qu'avant. Je vais prendre une place au niveau 2. Et puis au niveau 3. Je sais pas si on avait fort les clics, on a dit oui, je suis. Je pourrais y passer. Ah, c'est pas mal. Il me manque dehors, je pourrais avoir manqué. Et je pourrais avoir l'arc encore. Enfin, ça c'est le chien que j'ai plus l'arc. Ça. Ça. On va dire ça pour être sûr. Ça on peut acheter. Je vais acheter des pommes d'or et puis des. Ouais, je vais acheter des pommes d'or. On va en acheter 3. C'est peut-être plus sage. Non, non, on va en acheter 5. Je suis en fous de ma vie. Voilà. J'ai besoin de blocs. Et d'avance toujours pas. Mon avis. Il a arrêté de rusher. Oh non, chier. Voilà. Est-ce que je vais taper pour l'arc après? Pioche. Ah. Je fais de la merde. Oh putain. Sérieux. Je vais regarder si le cœur fait deux. Oh, comme ça, c'est vrai. Pire, je vais laisser la flèche là. Bon. Oula, c'est assez. Attendez, j'arrive. 2 secondes. Bon, j'ai le retour. Ok, il avance toujours pas. Je vais acheter l'arc et je vais y aller. Ouais. Tac. Je vais attendre un peu, encore un or. Je vais sûrement le bombarder à la totalité. Je trouve que c'est chouette de faire comme ça. Ou alors j'y vais comme ça. Non, j'y vais. Comme ça. Je ferai sûrement aussi des rushs en toit. C'est des rushs. On voit pas les autres. C'est les rushs shooter en gros. Il y en a creusé de la terre. Et on reçoit pas des minerais avec de la terre qu'on peut acheter ce qu'on veut. Okay, je vais mettre le briquet et je vais. Ouais, le briquet est un peu. Hop, le briquet. Hop, 4 minutes. Ça, je rends dans le coffre. Et c'est parti. À mon avis, j'ai trop de blocs, mais c'est pas grave. Je vais me dépêcher si j'ai pas envie de faire un. Super sécurisé non plus.
je vais essayer d'aller le terminer. Enfin, pas le terminer, mais le commencer plutôt. Donc, je suis pas un super pro du PVP. Je le dis d'abord. Enfin, je le dis déjà avant. Vous avez sans doute dû le voir dans, si vous avez regardé les vidéos avant de PVP Swap avec Akeis. C'est calme. J'ai pas grand chose à dire. À part si vous voulez, à la fin de la vidéo, vous pourrez mettre un petit like. Si vous a plu, sinon vous mettez un dislike. Et j'ai pas pensé à ça. Vous abonnez à la chaîne et ça fait toujours plaisir. Ouais, je parle pas beaucoup, je suis assez concentré, je fais un petit truc assez safe. Plus safe. Je parle pas beaucoup, mais c'est parce que je suis assez. Il reste un cœur. Si vous voyez, vous pouvez voir sa barre de vie juste au-dessus de. Qu'elle est morte. Je vais être sûr que ça pète. Il n'y a plus qu'à le tuer. Et c'est bon, c'est gagné. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo. De rush avec une victoire, donc voilà, c'était Joker Théo 2002. C'est Joker Théo 2002. Bye bye.